Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Geeks League numéro 244. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Geeks League numéro 244. Nous sommes le 9 septembre 2022, c'est la reprise, c'est la rentrée de Geeks League. Bon, on tombe le même jour que les events, donc désolé. C'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Mais le choix est vite fait, c'est nous qu'on regarde. On fera un raid après, vous inquiétez pas. Ah bah oui. On fera un raid sur le Twitch Plays Pokémon du Z Event. Épisode de reprise, donc enregistré comme j'ai dit. Ce soir, c'est la reprise après notre petite pause estivale et régénératrice et aussi inflationniste, mais bon, c'est autre chose. Bienvenue à toi dans ton podcast tech qui sent la frette et la bière. Oh là là, ce soir, ça semble compliqué. La dans Geeks League, nous allons parler des news tech de la semaine. On va parler. D'ailleurs, faut que j'aille choper de comics. On va parler des fous d'Arkham. On va parler de Hard West 2 avec Méo, on va parler de jeux de rôle d'image, de génération de jeux de rôle d'image, et ensuite les petits coups de cœur et coups de gueule, voilà. Mais écoutez, on s'est pas mis la pression pour le premier podcast, c'est la reprise, on n'a pas pris d'invité, comme ça on se met bien, mais on a déjà un invité dans les tubes. Et qui c'est? Surprise, parce que c'est pas encore, on sait pas encore quand ils viennent, mais ils vont venir. Ah, ça c'est cool. Et c'est vraiment cool, et c'est bien belge. Ah yes, voilà. Allez, eh ben écoutez, c'est parti, on peut se lancer. Alors c'est parti, accroche-toi bien dans ton fauteuil de train, de voiture et monte le son, petit baraki. Et le train live qui se lance, c'est la folie! Oui, parce qu'en fait, si vous nous écoutez en podcast, vous pouvez aussi nous écouter en live sur Twitch à 22h. Twitch.tv/geeksleague. Exactement. Un vendredi sur deux. Exactement, allez. Et comme le dit la chatroom, tchou-tchou! Allez, c'est parti. Écoutez, je propose donc qu'on fasse un petit tour de table avant de commencer ce podcast. Et on va commencer par accueillir Stacy d'abord. Bonsoir Stacy. Salut. Alors Stacy, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? J'ai maté beaucoup de choses, mais c'est plus les deux derniers mois que 15 derniers jours, mais bon. Petit jingle YouPorn. Non, je sais pas, non. Non, bah, c'était, plus, veux, plus, hein, c'était plus Netflix, Prime Video et Disney Plus. Voilà, tu sais ce qu'il reste à faire, mais bon. Je suis déception. Des petits logos Amazon Prime sur tes fesses, c'est bon. Mais donc voilà... Enfin, toutes les séries, les fins de séries qui sont sorties, Rick et Morty, Lock and Key, Stranger Things. Sinon, le film le Monstre des Mers aussi, qui était chouette à voir. Lock and Key, j'ai regardé, il est temps qu'ils arrêtent. En fait, ils auraient déjà dû s'arrêter la série d'avant, je crois. Ouais, c'était la saison de trop, là. J'ai pas trop aimé. Ça part en tous les sens. Il y a des intrigues, des machins, au final, on s'en branle. En fait, j'ai l'impression qu'ils voulaient mettre plein de trucs pour dire de finir. Et c'est qui la sorcière qu'on voit dans la boule de neige et qui revient jamais? Quoi, au début, il y a deux sorcières qui étaient coincées dans la boule de neige. Oui. Elles arrivent et puis elles disparaissent. Et je me dis à tout moment, elles vont ressortir. Ah bah non. Non, c'est fini. Et c'est une fin de tournage de sorcières. Ouais, voilà. Il paraît que les comics sont beaucoup mieux. Mais ouais, donc ouais, plein de trucs. J'ai regardé The Pantaverat avec Mike Myers. Enfin bref, il fait beaucoup de rôles. Hein. C'est Mike Myers qui est sorti en mai 2022. Donc bon, j'ai un peu de retard, mais voilà. J'en avais parlé. Ouais, mais j'ai pas su voir avant, mais donc voilà, j'ai enfin su le regarder. Voilà. Et alors, ton avis? Ben moi, j'aime bien Mike Myers, donc d'office, j'aime bien quoi. Mais faut aimer l'humour Mike Myers quoi. Genre, je sais que Méo, il aimerait pas quoi. Absolument. Donc voilà. Absolument, je n'aimerais pas. Et sinon, ben évidemment, j'ai commencé Les Anneaux de Pouvoir et House of Dragon et voilà quoi. Donc
plein de trucs. Bien, et Disney+, je ne sais pas dire ce que j'ai regardé parce qu'en fait, il n'y a pas l'historique. Ah. Donc, je ne sais plus ce que j'ai vu. C'est un peu bête. Hein. Disney+, les Toy Story. Ouais, j'ai revu les Toy Story. Et quand on arrive, je me dis, je suis désolé, Oli, j'ai pas eu le temps de préparer de chronique. J'ai pas eu le temps, vraiment. Non, mais vraiment. Moi, je me dis, si t'en es au point à ne pas savoir ce que t'as vu, est-ce que ça vaut vraiment la peine de le voir ? Franchement, j'ai vu tellement de choses qu'il y a même un film que j'ai revu, que j'avais vu. Et c'est à la fin, je me suis dit, mais cette bande-annonce, elle m'a spoilé à fond. Et puis je me dis, en fait, j'ai déjà vu ce film. C'est pour ça que je le connais. Ce cas, c'est que c'est à la fin qu'elle s'en est rendue compte. Oui, c'est à la fin. Après, il y a une série sur les vampires qui était refaite. Il y a deux versions, en fait. Twilight. Non, il y a un truc d'ado. Il y a beaucoup de choses qui ont été refaites. Et du coup, je me dis, mais. Ouais, il y a plein de trucs. Genre, j'ai peur de voir Charmed, je sais pas comment faut le dire, mais. Non. Ils l'ont refait et j'ai peur de la regarder. Et je me suis dit, mais comment est-ce que j'ai tellement j'ai grandi avec la vraie série, quoi. Donc, Mais le remake de Charmed, j'en avais parlé quand c'était sorti. Et. Ouais. C'est bien, c'est modernisé, mais moi, j'ai abandonné très, très rapidement parce que c'était très en mode. Pour le mot qui est à la mode, le woke. Globalement, là où dans la première série, tu étais sur du fantastique avec des idées féministes dedans, ici, c'est le côté sorcière est plus un décorum que le fond de l'histoire. Le côté revendication. Vraiment, en fait, j'ai vu ça, je me suis dit, alors j'ai grandi avec la vraie, on va dire, désolé, mais. Et donc, je pense que je ne vais pas regarder l'autre. Oui, mais c'est comme toutes les personnes qui ont vu des remakes. Hein. Ici, le seul truc qui me fait peur, c'est le remake qu'ils vont faire de La Famille Adams sur Netflix. Ça, j'ai peur, franchement. Ça avait déjà mal vieilli au départ. Moi, j'aime bien les films. Je ne sais même plus dire de quelle année, mais j'ai grandi avec les films sortis en telle année. On aimait bien quand on était enfant. Oui, voilà. Mais ça, surtout en plus, la tête du mari, j'accroche pas. Donc, enfin voilà. Mais donc, plein de choses que j'ai vues et voilà. Trop de choses en fait. Méo, bonsoir Méo. Bonsoir. Alors Méo, qu'est-ce que t'as fait de geek ces 15 derniers jours? Moi j'ai beaucoup lu. Les 15 derniers jours en fait. C'est deux derniers mois. Deux derniers mois. Alors j'ai lu pas mal, j'ai avancé dans l'Hérésie d'Horus, j'ai fini la trilogie Eisenhorn, entre autres pour 40K. J'ai fait quelques achats de BD du Mickey, du Donald Duck, du Picsou, le tome 2 de Batman Metal que je vais attaquer d'ici peu. Metal. J'ai fait de la peinture de figurines aussi que vous pouvez voir sur le Discord. Et alors, j'ai réécouté le Geeksig avant la pause et j'avais dit que je referais certainement du Chaos Gate. En fait, j'en ai pas du tout fait parce que le jeu m'est vraiment tombé des mains. Et je suis sur 2-3 autres jeux, dont ArtOS 2, où je vous en parlerai tout à l'heure. D'accord, merci Méo. Et au final, nous avons Grumpy. Salut, salut. Alors Grumpy, qu'est-ce que ça fait ces vacances? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu... ça sera dans mon coup de cœur, donc j'en parlerai plus tard. Sinon, j'ai fait un petit peu de jeu. J'ai continué Vampire Survivor, moi. J'ai débloqué tout ce qui était bloqué, et bloquable, et débloquable. Enfin bref, j'ai un peu poncé le jeu, mais c'est toujours aussi marrant. C'est juste que maintenant, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il y a au départ. Il faut que j'en relance. Ça vaut la peine de le relancer. Parce qu'il y a vraiment des nouveaux modes de jeu, quoi. C'est cool, c'est mon meilleur investissement 2023. Ouais. 2022. Et sinon, j'ai refait un petit peu de Timberborn dans les jeux. C'est avec les castors, là ? Ouais. Ah, oui, oui. Moi, c'est le genre de jeu qui me détend. Est-ce qu'il y a eu un DLC ? Non, ils sont toujours en pré... En early access. Ouais, en early access. Moi, c'est juste le truc qui me fait du bien pour me vider la tête que je fais pendant les vacances, typiquement pour... Je joue toute la journée et puis après j'ai la tête vide et je suis content. Ah oui, j'ai fait du jeu de rôle aussi, j'ai pas dit. Et puis ouais, sinon, beaucoup de jeux de rôle aussi. Bah. Préparation de jeux de rôle. Oui, relecture de jeux de rôle aussi. Préparation et jeux de rôle, ouais. Ouais, j'ai fait pas mal de choses autour du jeu de rôle. Notamment, j'ai préparé un scénario pour Anime Was a Mistake qui est enfin sorti en PDF. La version papier arrive incessamment sous peu. Où j'ai fait un settings pour Blue Gender, qui est un animé assez sympathique avec des bruits absolument délicieux où des humains se font bouffer. T'as le bruitage de l'humain qui se bouffe est absolument. C'est exquis. S'il faut, j'ai des liens pour retrouver du son en ligne. Bref, d'accord. Voilà. Intéressant. Et toi, Wally? Ah bah écoutez, moi donc je suis parti à l'ETC, donc c'était le tournoi mondial de même âge. On finit 14e sur 30,
32, je pense, oui, 32, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal du tout. C'est qu'on est dans la moitié, c'est ce qu'on visait, en sachant qu'on a affronté des gros pays, quoi. On a affronté les USA, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, qu'est-ce qu'on a affronté d'autre ? La Nouvelle-Zélande, j'ai déjà dit tête, les Canadiens, on a fait que des pays, et le Portugal, voilà. À peu près, je n'oublie peut-être un. Voilà. Et c'est des grosses pointures sur... Les Anglais, c'était. Les Américains, oui, c'est très oui, les Américains, pointures. On est d'accord. Oui, et les Anglais aussi. Et puis voilà, après, les grosses pointures, c'est, on ne les a pas eues non plus. C'est la France, c'est l'Espagne surtout, c'est l'Italie et c'est la Pologne. Ah ouais. Et la Pologne, ils sont bons dans tous les jeux de Wargame. Il faut dire que 40K, ils masterisent. À 9MH, ils sont toujours dans le podium. Dans tous les jeux de figurines, de Wargame, les Polonais sont toujours sur le podium. Et tu sais ce qui explique ça ? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'il n'y a pas Netflix là-bas. ça vaut peut-être la peine une fois de leur poser la question quand tu as l'occasion. Quoi, ça peut être intéressant d'avoir... je sais pas, moi, il y a peut-être des choses différentes. Peut-être, oui. Mais parce qu'ils passent 3 heures par jour à s'entraîner au lancer de dés. Mais en tout cas, ouais, c'est une grosse nation. C'est une grosse nation. Salut Canelef. Salut à toi. Salut Alain, qui nous dit sur le live. Et puis sinon, pas mal de peinture aussi, parce que du coup, ça m'a relancé dans la peinture. Donc j'ai fait un mois de peinture intensive et d'impression. En gros, à peu près, c'est ça. Quoi. Au niveau jeux vidéo, j'ai enfin acheté Warhammer Total War, parce qu'il y a la sortie de Empire qui est sortie. Mais j'ai pas eu trop le temps de jouer encore pour l'instant. Donc voilà. Donc pas trop de jeux vidéo au final, mais... Sinon, tu peux jouer par procuration avec Maf. À quoi ? À Total War Warhammer. Ah oui, mais il est occupé, Maf, c'est pour ça. D'ailleurs, il va peut-être débarquer aujourd'hui, non ? Oui, c'est vrai, je lui avais dit ce soir, c'est Geeksy, donc peut-être qu'il va débarquer. Ah, oui. Donc voilà, écoutez, à peu près tout pour... Après, c'était en Italie, du coup, c'était 4 jours, c'était sympa. Et par contre, on est en avion. Il faut savoir que j'étais avec un ami, peut-être qu'il nous écoute, je le salue. Il prend l'avion, tous les week-ends, il prend l'avion, en gros. Ouais. Et il n'a jamais eu de problème. Et à chaque fois qu'il prend l'avion avec moi... Il a des problèmes. L'avion a annulé, l'avion a du retard, les valises sont perdues, on a eu tout. Et alors le pire du pire, c'est qu'à l'aller, donc on a perdu X heures. Alors, pour le retour, on a perdu 8 heures, c'est un truc de fou. Et bien sûr, on perd notre valise. Et donc on nous dit, écoutez, à l'aéroport, il suffit d'aller sur la borne là. Et puis vous rentrez le truc pour retrouver la valise. Et à partir du moment où je touche la borne, toutes les bornes de l'aéroport font erreur 520, erreur 520, erreur 520, erreur 520. Et là, il y a mon pote qui me regarde et fait, je prends plus jamais l'avion avec toi. Ouais, ça se comprend. Voilà. Hein. Mais l'avantage, c'est qu'on va retoucher 250€ à chaque fois que je prends l'avion, je retouche 250€ parce qu'on est trop en retard. Au moins, c'est pas tes valises figurines qui sont perdues. C'est vrai. Non, parce que ça, on les prend avec. Tu les prends en saut pour éviter ce genre de problème, justement. Exactement. Ouais. Non, et puis ça serait trop morte. Quoi. Bon, écoutez, on va se lancer. Question peinture, j'adore le schéma de couleurs que tu as fait de ton armée de 9e âge. Merci. Vous pouvez retrouver dans notre Discord aussi. C'est ce que j'allais le dire. Ben oui. Venez sur le Discord. Comment ça, on fait du forcing ? Oli, est-ce que t'as remercié les tipeurs ? Non, je n'ai pas remercié les tipeurs, mais il paraît que t'as une application pour le faire. Alors il paraît, mais je me suis déconnecté. Parce que c'était pas cette fois-ci. C'était la rentrée. Hein. Faut que je la lance ou c'est vas-y, bon ? Vas-y, lance. Ok, ok. Mais écoutez, on va faire une newstech, on les remerciera après la newstech, d'accord ? Ça va. Allez, c'est parti, on fait les newstech de la semaine, du coup. De la semaine, il ne peut rester qu'un, mais avant. Septembre, c'est la rentrée des écoliers, mais aussi de la plupart des médias. Par exemple, les plateformes de streaming. D'un côté, nous avons Amazon Prime. De l'autre, nous avons tous les autres, en fait. Parce que, niveau pognon, c'est eux qui se mettent entre la balance. OCS, BTV, HBO et autres, voilà. Netflix. D'un côté, nous avons donc Les Anneaux de Pouvoir, et de l'autre, La Maison des Dragons. Ouais. On va faire le titre en français. Oui, bah oui. Parce que, voilà, pourquoi pas. Ah, c'est La Maison des Dragons en français. Ouais, je crois que c'est ça la traduction. C'est ça, c'est La Maison des Dragons. Ouais. Donc, globalement, c'est un petit peu les séries de la rentrée, hein, vu que tout le monde en parle. Il y a 3 épisodes qui sont sortis des deux côtés. Ouais. Et pour l'instant, en termes d'audimat,
Ben, c'est les anneaux de pouvoir qui écrasent tout, apparemment. C'est pas étonnant. Et apparemment, écrasent vraiment bien, d'après les derniers chiffres. Donc, c'est plutôt cool. En fait, c'est pas étonnant parce que quand tu vois la hype qu'il y avait à chaque épisode de Game of Thrones où tu devais obligatoirement le regarder au moment où il sortait, sinon c'était spoil sur Twitter pendant 4 jours et demi, là, c'est dans l'indifférence générale. Personne n'en parle. Ben les gens n'osent pas dire qu'ils le regardent. En fait, les gens n'osent pas dire, ouais. C'est parce que la fin de Game of Thrones était tellement... Mais ce qu'il y a, c'est que moi, je ne voulais pas tellement parler du contenu parce que, en fait, ça, c'est propre à chacun. Mais effectivement, il y a quand même un gros truc pour moi, c'est que si on est fan de Game of Thrones, ben on va être content de retrouver l'univers de Game of Thrones, mais on va perdre ce... L'histoire est pas top pour la maison des dragons. Tandis que pour les anneaux de pouvoir, ben en fait, on sent que c'est un vrai scénario à part entière où il y a vraiment un contenu derrière, où on sait pas simplement on vous emmène dans un univers qu'on connaît déjà. Non, on a on fait vraiment, du dropshipping et voilà les personnages. On a vraiment quelque chose où tu as envie de regarder pour l'histoire en elle-même, même si t'as pas le reste. Bon, je suppose que si t'as pas vu le reste du Seigneur des Anneaux, tu auras peut-être moins d'intérêt, mais là où la Maison des Dragons, ben en fait, si t'as pas vu, je trouve que pour l'instant c'est très inintéressant. Ben même quand t'as vu, c'est pas ouf. Ben si t'aimes bien retrouver l'univers, c'est cool, mais en dehors de ça, Mais je l'ai pas vu encore. Il y a une différence aussi avec les anneaux de pouvoir, c'est que la série est géniale, mais elle n'égalera jamais, pour moi, Le Seigneur des Anneaux, juste par la nostalgie et le contexte de sa sortie. En fait, quand c'est sorti, on allait voir au cinéma, parce que c'était le film Le Seigneur des Anneaux. Après, moi, personnellement... Mais après, la série est géniale, on a adoré. Les budgets de dingue. Personnellement, en dehors même du côté contenu même, j'avoue que... Du point de vue appréciation, la Maison de Dragon, là, je vais peut-être encore regarder un épisode, mais je pense que je vais abandonner parce que je veux vraiment pas l'intérêt de le regarder. Pour l'instant, en tout cas, l'histoire ne parle pas du tout. Par contre, les Anneaux de Pouvoir, j'ai vraiment bien accroché. C'est vraiment, je trouve qu'il y a une vraie histoire. C'est Méo qui souffle comme un buffle dans son micro. Alors je diminue. Hein. Voilà, désolé. Donc moi c'est un petit peu là où j'en suis pour l'instant. Et vraiment, je trouve pour l'instant que si ça continue sur la même lancée, les anneaux de pouvoir sont probablement mieux que les films. On va voir. Ouais, on va voir. Il y en a eu trois. Ah non, de Dieu. Ils sortent le vendredi midi. J'ai vu le troisième. Moi, il y a un truc que je me demande qui était la force du Seigneur des Anneaux, c'est de voir une bataille rangée. Oui. C'est pour ça que je dis, si ça continue. Vu le budget, il va avoir ça. Oui, c'est ça. Il ne peut pas ne pas y en avoir. Voilà, ça, c'est peut-être le seul truc. Parce que c'était la marque de fabrique du Seigneur des Anneaux et c'était l'intelligence artificielle qui faisait les combats, etc. Mais c'était justement ces combats de masse. J'ai regardé l'épisode 2, mais quel plaisir l'épisode 2 de voir. On ne l'a pas vu, chut. Bref, on ne va pas spoiler. Voilà, c'était la petite news sur le sujet. Je vous conseille, si vous n'avez pas vu aucune des deux séries, d'au moins garder les anneaux de pouvoir. Si vous aimez l'univers fantastique, bien sûr, sinon ça ne sert à rien. On est hermétique au Seigneur des Anneaux. Regarde les anneaux de pouvoir. Même si tu es hermétique au Seigneur des Anneaux, peut-être que ça peut... Parce que c'est un petit peu différent. Mais après, voilà. Chacun ses goûts. The House of the Dragon, bof. Peut-être pas ça. Voilà. Moi, limite, ça me donne envie d'acheter le bouquin pour lire le bouquin. Allez, nous suivons. Et de ne plus le regarder. Ouais. Oui, c'était une news. L'essentiel de la kékénote. Et oui, je vais vous résumer ici donc, ce qui s'est passé à la kékénote d'Apple. Alors, elle avait lieu donc, ce mercredi 7 septembre. Elle a été diffusée sur le web. Le clou du spectacle, c'était l'iPhone 14 qui a été dévoilé donc, le mercredi. Alors, qu'est-ce qu'il a ? Deux versions. Il a l'iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max. C'est clair. Ce que tout le monde a retenu, c'est que y a 5 coloris, mais il vaut surtout un bras, puisque l'iPhone 14. J'ai regardé l'iPhone Pro 14, il commence à 1200€ et c'est la petite version 128Go. Si vous voulez la grosse version, ça revient à 1400 balles. Est-ce qu'ils ont fait une mise à jour de la chiffonnette ?
Non, ils n'ont pas reparlé de la chiffonnette. Ah bon, en fait, tu prends la version de l'iPhone et tu rajoutes 2-0 derrière et tu as le prix, quoi. Ils ont... Ouais, c'est ça, ouais. 1-0. En fait, c'était raisonnable, 1-0. Ben non, l'iPhone 14. Oui, à 1400. Ah oui. Ah oui. Il n'est pas à 140€. Donc, en gros, c'est ça. Et les nouveautés, c'est... maintenant, il y a un mode Always On. Tu peux intéresser certains. Et, c'est-à-dire C'est-à-dire que l'écran reste toujours allumé, toujours en fait, allumé, comme sur les montres. Et du coup, il baisse sa fréquence à genre 1 ou 2 Hz. Comme ça, elle économise la batterie et du coup, elle ne la crame pas. Donc voilà. Et ça, c'est parce qu'il y a déjà ça sur Android. Donc en fait, ils sont mis à niveau. Et maintenant, il n'y a plus l'encoche, mais il y a juste un trou. Et en fait, ils ont joué graphiquement avec le trou pour faire des choses. Donc, ça, c'est niveau graphique, c'est assez intéressant. Mais est-ce ils ont joué avec des trous. Mais est-ce que ça vaut vraiment ça? Je suis sûr. Je pense que oui. Ouais. Alors. Désolé, je suis obligée de le mettre au moins dans le chat. Ouais, ils jouent aussi avec les trous de leurs utilisateurs, hein, j'ai envie de dire. Oui, bien sûr. Alors, Apple Watch Series 8, pas grand-chose de nouveau. Sauf qu'il y a un capteur, si vous tombez sous un accident, un truc comme ça. Du coup, ça envoie un truc, bon, voilà. Ça te prévient si tu vas avoir un AVC. Et par contre, il y a, la Apple Watch Ultra, qui elle est destinée vraiment aux sportifs. Avec plein d'une boussole, avec plein mal de choses comme ça qui permettent de y a vraiment, vous avez un bouton qui fait une alarme si vous tombez, et ça et votre montre avec gueule, enfin ce genre de truc. C'est vraiment une montre un peu plus sportive, un peu plus grosse. Donc si t'es poursuivi par des ennemis, tu te casses la gueule dans le ravin pour leur échapper, t'es foutu si t'as du matériel Apple, c'est ça que tu dis? Non, ce qui est marrant, c'est quand même la montre qui sonne pour te prévenir que t'es tombé, mais je pense que t'es au courant que t'es tombé. Alors du coup, c'est marrant parce que les gens disaient, écoutez, il y a une montre pour les gens qui ont peur de mourir, et pour les gens qui veulent mourir parce qu'ils font du sport, ils font des trucs extrêmes, quoi. Et du coup, c'est vraiment, en fait, ils attaquent, ce qui est malin par contre, c'est qu'ils attaquent le marché de Garmin et tous ces genres de trucs un peu sportifs. Par contre, elle commence à 1000€, donc faut être. Oui, tu peux t'en acheter 10, quoi. Pour être sportif. Mais bon, voilà. Après, moi, après, elle coûtait pas aussi cher la mienne, mais ouais, 400 000€, c'est super cher. Et des nouveaux AirPods. Le seul truc que j'ai retenu, c'est que si vous les perdez, vous avez un bouton sur le boîtier et il y a le gueule pour les retrouver. Et ça, faut que j'avoue que ça, parce que moi, mes AirPods, j'en ai en général qu'une parce que j'ai perdu l'autre. Et quand je retrouve l'autre, je repère l'autre. Et quand je ne les ai pas perdus. Dans le boîtier, faut mettre dans le boîtier. Quand je n'ai pas perdu, c'est les enfants qui les ont pris de mon boîtier pour les planquer. Donc, je n'ai jamais les deux en même temps. Ouais, et j'avoue que le petit option qui fait qu'elle gueule, ça m'aiderait beaucoup. Alors, voilà. C'est vrai que les enfants qui cachent les AirPods. Oui. Quelle idée aussi. Ah, ils adorent faire ça. Et un truc moi qui m'a étonné, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendaient à ce que Apple parle de son casque VR et toujours rien. On n'est pas prêt, je pense. Ouais. Et je trouve que ça va. Ouais, mais c'est ça. Vu tous les leaks qu'il y a autour, à mon avis, ce sera pour la prochaine fois. Peut-être, ouais, peut-être. Mais non, là, l'iPhone, c'est ça qu'ils doivent vendre pour faire de l'argent. Ouais. Donc c'est ça qui met d'abord en avant, quoi. Allez, nous suivante. TikTok Bridge. Alors, une petite faille avec un petit milliard d'utilisateurs de TikTok et aussi WeChat. Ah, bon, WeChat, ça touche pas trop le reste du monde que la Chine. Mais c'est juste un petit milliard d'utilisateurs qui se retrouvent avec ces données dans la nature. Bon, apparemment, il n'y a pas les mots de passe, puisque ça, sont hachés comme toute bonne pratique à l'heure actuelle. Par exemple, les infos qui relient à des PayPal et autres sont dans le tas, ce que les gens ont dépensé, etc. Je suis d'ailleurs étonné qu'il n'y ait pas, comme il y avait eu dans le cadre de Twitch, un petit classement des meilleurs gagnants, etc. Probablement que ça va se faire. Le temps que les données se compilent. Bah, oui, il y a quand même un milliard, quoi. C'est un peu plus que pour Twitch. Mais c'est l'occasion d'un petit rappel que vous ne savez jamais quand vos données vont fuiter. Et c'est là où il y a des sites comme Have I Been Pwned qui existent, ou des gestionnaires de mots de passe un peu modernes qui ont ça d'intégrer, comme le Password Manager de Firefox, OnePassword, LastPass, etc. NPass. Mais je ne sais pas tous ceux qui intègrent Have I Been Pwned ou équivalent, mais c'est l'occasion, puisque ce n'est pas simplement vos mots de passe, mais c'est aussi vos données rattaché à votre adresse email ou autre, ça vaut toujours la peine de s'inscrire à ce genre de site. Vous pouvez chercher l'information avec le hashtag TikTok Breach sur Twitter ou regarder dans les sites de news si vous voulez en savoir plus. Il y a énormément d'informations qui sont sorties. La guerre du duty.
Et oui, le patron de PlayStation craint que Call of Duty devienne une exclusivité Xbox. Pourquoi ? Parce que Microsoft veut racheter Activision. Activision, c'est Call of Duty. Du coup, ben, la licence Call of Duty sur PlayStation, c'est une grosse licence qui ramène beaucoup de pognon. Alors, ne vous inquiétez pas, Microsoft s'est engagé à vendre Call of Duty pendant 3 ans sur PlayStation. Après, on ne sait pas. Du coup, ouais. Sony, il flippe un peu parce que s'ils perdent Call of Duty sur leur console, ça va gueuler. Et on m'empêche, je me dis, Microsoft, là, ils ont tout compris, quoi. Ils ont dit, ok, on peut pas vous battre sur l'hardware, alors on va vous battre sur le software, et là, ils sont en train de les atomiser. Mais tu vas parler de la mise à jour, enfin, du Game Pass Family ou pas ? Non, je vais pas parler. Eh ben, il y a le Game Pass Family, donc, qui est à 15 ou 20 euros, mais tu peux être jusqu'à 5, 6 dessus. Incroyable. Et donc, en fait, t'as des analystes qui sont en mode, mais... Ils vont perdre parce qu'un abonnement normal, c'est 10$. Ils sont en mode, bah oui, mais en fait, souvent, tu as un abonnement family, mais pour la famille, pas partagé entre 5 ou 6 personnes. Donc, en fait, ils vont gagner plus d'argent avec ça. Quoi. Oui, je pense que ça. Mais tu peux te mettre à 5 sur le Game Pass et payer 5$ au lieu de 10. Quoi. Pas mal. Ce qui peut être intéressant. Ouais. Une app pour le grenier. Le grenier du geek que l'on avait reçu dans l'épisode 182, pardon. Ce site de revente d'objets geek a sorti son app mobile. Donc désormais, vous pouvez la tester, rester vautré dans votre canapé ou votre chaise de bureau pour pouvoir acheter ou vendre vos BD, vos mangas, vos comics, vos jeux de société, vos jeux de rôle et autres. C'est cool, hein. Moi je vends là-dessus, hein. Je vends pas énormément, mais je vends quand même... Je mets un peu mes trucs que je veux plus et que je me dis que je veux pas acheter parce que c'est quand même encore intéressant. Et franchement, je vends quand même des trucs, des figurines, genre des barrettes de RAM d'ordinateur portable. Voilà, j'ai récupéré un ordinateur portable, j'ai sorti la RAM en disant ça peut servir à quelqu'un. Je l'ai mis à 10 balles, c'est la RAM d'Apple. Bah, quelqu'un me l'a pris parce qu'il la trouvait plus. Voilà, et hop, c'est parti. Bah, c'était 10 balles pour moi. Et lui, il était content. Et je vous conseille, c'est vraiment bien. Ouais. Et le service est nickel. Hein. Franchement, ça marche très bien. Le plus grand gâchis des jeux vidéo, Phantom Liberty. Alors, est-ce que vous connaissez un petit jeu qui s'appelle Cyberpunk 2077 qui est le plus grand gâchis? Ah bon ça me dit vaguement un truc. C'est le plus grand gâchis de jeux vidéo parce que ce jeu était quand même avec tout pour lui. Et, Plus grand gâchis après un autre? Après un autre? Non, je vois pas du coup. C'est pas un truc dans l'espace. Non. tu touches un point sensible. C'est pas un gâchis, il est pas encore sorti. Il est encore sorti. Oui. Donc, sois patient. C'est juste un scam. Pardon. Excusez-moi. Cyberpunk. Est-ce que j'ai pas des bruitages? Tiens, attends. Ah, j'ai plus les proutes. Bon ben. Ah, c'était pour l'épisode de toilette. Demande à ton équipe. J'ai plus de pipi, j'ai plus rien. Bon bah tant pis. Il faut que j'en remette les proutes. Du coup, comment ça se passe? Donc Cyberpunk 2077. Bah écoutez, ils ont annoncé un DLC. Le premier et le dernier, malheureusement. Après, je pense qu'ils vont laisser tomber. Donc, vous avez promis un DLC, ils le font, et c'est basta. Il s'appelle Phantom of Liberty. Et malheureusement, ça sera le dernier. Donc, ça, c'est un peu triste parce que, ben voilà, apparemment, donc, voilà, ils ont sorti la bande-annonce. Si vous voulez aller voir, vous tapez Phantom of Liberty, vous allez trouver. À voir un petit peu. Maintenant, The Witcher avait droit à 2 DLC majeurs. Ici, il n'y en aura que un. Pour Cyberpunk, à voir un petit peu. Peut-être qu'il va. Moi, ça, c'est ce qui va me faire relancer le jeu. Est-ce qu'il sera gratuit ou pas? On ne sait pas encore. Maintenant, on verra bien. Alors, apparemment, la société donc, qui s'occupe de Cyberpunk, après, elle laisse tomber Cyberpunk. Enfin, je pense que là, avec le flop et qu'ils se sont ouais, pris. Ouais, laisse-moi qu'ils ont pris la sauce, ils ont dit c'est bon, on abandonne. Et apparemment, ils travailleraient sur la version next-gen de The Witcher 3, qui sortirait pour le 4e trimestre. En même temps, The Witcher 3, il est sorti un peu sur toutes les plateformes. Donc, Ouais, mais du coup, ouais, ils vont sortir une version next-gen. Alors, est-ce qu'il y aura des quêtes en plus? Est-ce que ça va être un DLC? Est-ce que ça va être un remaster? On va voir un petit peu. Après, vous prenez The Witcher 3 actuellement, vous l'avez avec tous les DLC, Game of the Year, vous en avez pour 250 heures de jeu. Ouais, hein. Ça, c'est un meilleur investissement qu'on pouvait faire. Quoi. Oui, clairement. Et donc, ah oui, sinon, en extension, il y aura aussi un nouveau quartier de Night City. Et on va retrouver encore Johnny Silverhand, parce qu'apparemment, Keanu Reeves a refait des prises, etc. pour cette DLC. Donc voilà. Je trouve ça cool qu'ils aient poursuivi avec Keanu Reeves et tout. Après, voilà. Allez, c'est parti. La suite. Minecraft dans Minecraft. Un YouTuber, Sami Yuri, a créé un ordinateur dans Minecraft. Il faut savoir que c'est possible avec de la resto, on peut faire des choses. Et donc, il a refait Minecraft dans Minecraft
avec la Redstone, avec tous les blogs, les machins, les trucs. Wow. On va vous mettre le lien. Il y a vraiment des gens qui ont du temps. Allez voir la vidéo YouTube de ça. C'est incroyable. Je veux dire, c'est un truc de dingue. Et ça marche. Hein. C'est vraiment Minecraft dans Minecraft. Et le gars disait qu'il avait fait Doom aussi, que Doom marche dans Minecraft. je trouve ça vraiment incroyable. Moi, ça me sidère en tout cas. Voilà. Bah écoutez, voilà, c'est tout pour les news tech de la semaine. Est-ce que quelqu'un veut faire son petit coup de cœur ou son petit coup de gueule? Allez, moi, je bien. Bah, allez, vas-y. Sinon, vas-y. Vas-y, Grumpy. Ah. C'est un coup de cœur, bien sûr. Alors, mon coup de cœur, c'est sur le troisième cycle de l'Assassin Royal. Donc, l'Assassin Royal, c'est de Robin Hobb. C'est le fou et l'assassin, il y a 6 tomes, et c'est le cycle qui clôture un petit peu ses autres livres en beauté. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont lu l'Assassin Royal. Pas du tout. Ah putain, s'il y a bien un livre qu'il faut lire, enfin, une série de bouquins qu'il faut lire, c'est celui-là, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment très bien fait, très bien écrit. Donc c'est du fantastique médiéval. Oui, c'est du Medford, quoi. Ouais. Donc l'Assassin Royal, le tout début, tout début, c'est globalement, il y a un orphelin qui est recueilli, qui s'avère être un bâtard royal, est recueilli donc dans un château où il y a le roi et sa famille qui vit, et bah, il va lui arriver plein de trucs, pas des trucs chouettes, et... Ben, on va suivre l'évolution de cette personne durant un long moment, avec ben, des moments où ouais, il y a clairement de la magie de toutes sortes qui va venir se mêler, mais pas des trucs super bourrins, genre on envoie des boules de feu, non, ouais, c'est ouais. Plus des prises de contrôle, télépathie, ou changement un petit peu de la matière, mais des choses relativement basiques. Et comme son nom l'indique, l'assassin royal, ben, il va devenir un assassin. Et tu conseillerais quoi entre ça et la roue du temps? Ça. S'il fallait choisir entre... Ça. Okay. L'assassin royal, clairement, il n'y a pas photo. Déjà, tout a été traduit, a été bien traduit. en termes de ce qu'on va ressentir, en termes d'émotions, etc., c'est beaucoup plus intéressant, l'assassin royal. Donc il y a en fait l'Assassin Royal, tu as d'abord je crois c'est 6 tomes, puis tu as une série parallèle qui commence, qui s'appelle Les Aventuriers de la Mer, puis ils se rejoignent, même s'ils ont chacun d'autres tomes après, qui évoluent en parallèle. Donc tu as à peu près 13 et 9 tomes, ça c'est pour Les Aventuriers de la Mer et l'Assassin Royal. Puis après ça tu as La Cité des Anciens, où je ne sais plus combien il y a de tomes, parce que j'ai oublié de noter. Je crois qu'il y a 7 ou 8 tomes, un truc comme ça. Je parle toujours des tomes poches. Hein. Et puis, là-dessus, il y a le dernier cycle qui est venu se greffer, qui est Le Fou et l'Assassin, qui compte 6 tomes, et qui sont une clôture de l'histoire. Clairement, c'est la fin. Il n'y aura pas de suite. Bon, en même temps, on est à 35 tomes, là. Donc, Voilà. L'univers est tellement dense qu'il y aurait moyen d'écrire, je pense, encore, quoi. Énormément d'histoires. Tellement... Tu peux prendre des points de vue différents, etc. Ok. Mais vraiment, ça se clôture. C'est vraiment une fin intéressante. C'est pas totalement inattendu. Mais c'est pas en mode tout le monde il est beau, tout le monde il est content. C'est sa clôture, c'est très bien. Et voilà. Je vous préviens, vous risquez de pleurer. Parce que déjà, la fin des 13 tomes d'Assassin Royal, si tu pleures pas, c'est en général que ça ne te parle pas, mais sinon, t'es quasi sûr de pleurer. Mais là, ici, il y a un des tomes, tu te choules, t'as pas le choix. C'est quoi ce bruit de bois? Qui c'est qui scie la table? C'est Grumpy qui s'appelle trop. voilà. Bref, le dernier cycle d'Assassin Royal, Le Fou et l'Assassin, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Et si vous ne connaissez pas Robin Hobb, je vous conseille fraîchement de suivre cette autrice qui est vraiment, vraiment bien. Ok. Merci Grumpy. Merci voilà. Grumpy.
Allez, maintenant on va passer à ma chronique et je vais vous parler, comme Doc n'est pas là, je vais vous parler de comics. Ah, je t'ai piqué de la rubrique, Doc. Alors, je vais me servir de mon assistante Grumpy pour vous montrer, donc ceux qui nous regardent en live un petit peu, vous pourrez voir un petit peu à quoi ressemble le livre. Alors, je vais vous parler ce soir donc, de BD. D'abord, je vais remercier mon collègue qui m'a prêté ce comics et puis l'autre ici que je vous montrerai après. C'est Les Fous d'Arkham. Alors, donc c'est un Batman. Hein. C'est un Batman, auteur Grant Morrison, enfin deux auteurs, et Dave McKean. L'histoire, c'est Batman, l'asile d'Arkham. Donc c'est une des plus étranges bandes dessinées que j'ai lues au cours de ma vie. Il faut savoir que donc, le mode narratif est volontairement atypique et met en parallèle le parcours de Batman avec celui du professeur Arkham qui hérite de la propriété dans les années 1920 pour faire un asile avant de basculer lui-même dans la folie, le meurtre de sa femme et puis sa fille et puis ta fille par un de ses malades. Quoi. Donc on voit, et lui, il va devenir fou. Quoi. Alors, ce qui tranche encore plus avec l'histoire, justement. J'ai montré quelques trucs, j'ai fait la potiche, mais voilà. Ce qui tranche encore plus avec l'histoire, c'est le style unique de Dave McQueen, donc c'est celui qui a fait les dessins. Parce qu'en fait, c'est vraiment une rupture complète avec l'approche traditionnelle des comics books, c'est-à-dire que chaque case est un tableau qu'il a peint et qu'il a ensuite numérisé. Pour l'intégrer dans la bande dessinée. C'est ce que j'allais dire, quand on parcourt, on voit le côté graphique est vraiment très très poussé. Quoi. C'est très très organique. Je trouve que les dessins de Dave McQueen renforcent le côté asile d'Arkham. Je trouve que les deux collent tellement bien ensemble. Il faut savoir qu'il y a des dessins avec plus de techniques. Par exemple, à un moment donné, on voit un tableau où il a mis des ficelles. Ben, les ficelles elles étaient vraiment présentes sur le tableau qu'il a photographié. Quoi. Et à un moment donné, c'est dans celui-là ou après l'autre, mais on parle d'une robe de mariée et c'est vraiment des bouts de robe de mariée qu'il a arraché, qu'il a collé ensemble et ce genre de choses. Quoi. Du coup, bah voilà, moi qui suis graphiste, ça me plaît beaucoup, ça plaît à mon œil. C'est sûr, il y a une vision d'artiste là-dessus. Hein. Chaque page est une œuvre en elle-même, mélangeant donc la peinture et la photographie, comme j'avais dit, pour produire des personnages monstrueux et en fait, c'est très sombre hein, comme BD aussi. Hein, c'est très très sombre. On évolue vraiment dans la folie et dans la pénombre quasi absolue. Mais je trouve que le résultat est incroyablement terrifiant et ça donne vraiment une impression de malaise qui ne vous quitte pas de la première jusqu'à la dernière page. Donc ça contribue à faire de Batman l'asile de Arkham une aventure oppressante qui ne laissera aucun lecteur indemne et provoquera par la suite assurément beaucoup de cauchemars. Bon, ça c'est... alors peut-être que même pour certaines personnes ça peut être trop noir en fait. Donc ça peut peut-être, je pense, c'est vrai que je parcourais... comme ça, les dessins, c'est vrai que tu sens qu'il y a des moments où c'est lourd. C'est lourd, c'est vraiment la folie retranscrite en dessin. Quoi. Voilà. Donc après, ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais moi, je vous conseille, c'est vraiment un ovni dans l'univers de Batman. Pour moi, c'est plus de la moderne qu'une BD, qu'un comics, mais voilà. Le comics a été réédité plusieurs fois. Vous pourrez retrouver aussi sous le nom Batman, Arkham Asylum, au milieu des Fous d'Arkham, les rééditions, ils ont changé de fois, ils ont changé de titre. Je me demande si Doc en avait pas déjà parlé, non ? C'est possible. Non, parce que j'en ai parlé, lui, il ne connaissait pas. Ah, bon, donc, alors c'est pas lui qui m'en a parlé, ouais. C'est un autre. Alors, si vous aimez le style de graphique, je vous conseille Black Orchid, encore conseillé par mon collègue. Alors, là, dans Black Orchid, vous allez retrouver donc, McKean, qui a refait justement ses styles dessins. On peut retrouver un peu son, un peu, voilà, chaque tableau est nouveau, un peu torturé, nouveau. Et par contre, là, le réalisateur, c'est Neil Gaiman, merci, qui a notamment fait récemment la série Sandman. Voilà, donc tout se recoupe. Qui a fait aussi la série Good Omens et la série Lucifer. Donc vous voyez qu'il y a un peu une thématique un peu comme ça qui tourne autour de ce personnage. Franchement, voilà, moi j'adore ce style graphique. Et bah, je vous conseille aussi, dans la suite, quoi, si vous voulez enchaîner un petit peu dans ce genre de délire graphique et dans ce genre d'aventure. Après, Black Orchid, je n'ai pas fini encore, parce qu'on me l'a prêté hier. J'ai d'abord lu le Arkham Asylum. Mais il a l'air en tout cas sympa, je n'ai pas encore fini, mais voilà.
Ben voilà, écoutez, donc je vous les conseille, hein, c'est 21 € à la Fnac si vous le retrouvez. J'ai regardé, on peut encore le trouver. Voilà. Mais après, il y a une réédition qui a été faite anniversaire, un truc comme ça, qui est encore plus belle, hein, donc de Batman. Donc ben voilà, et franchement, n'hésitez pas, c'est un beau cadeau. Si vous, c'est vraiment un bel objet, je trouve. Black Orchid a l'air plus léger. Plus léger. Oui, oui, vachement. Parce que Neil, Neil est beaucoup plus dans le. L'onirique. L'onirique, c'est ça. Ouais. Et du coup, forcément. Ça date, alors que là, ouais, là on t'es sent dans la, t'es dans c'est l'asilium, quoi. C'est Batman, quoi, la noirceur. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour Batman. Ouais, clairement. Allez, on fait un petit coup de cœur, coup de gueule. Bah moi, je veux bien le faire. Allez, c'est quoi, Méo? C'est un coup de cœur. Allez, c'est parti. C'est un coup de cœur roman aujourd'hui, parce que moi je vais vous faire un coup de cœur sur la trilogie Eisenhorn. J'ai adoré cette brique de 960 pages que j'ai dévorée très rapidement, en 2 mois même pas. Donc pour 960 pages, pour mon rythme, ça va très vite. J'allais dire, mais c'est long 2 mois. Non, mais voilà, disons que je lis peu, on va dire, mais là j'ai vraiment été très rapide pour le lire. Grand fille va deux fois au chiottes, il a fini de lire, oui, ça, voilà, mais après ça. Il reste longtemps. Voilà. Pour présenter, donc on y suit dans l'univers de Warhammer 40 000 les aventures d'un inquisiteur, donc Gregor Eisenhorn, dans ses enquêtes et les périples pour mettre à mal le chaos et empêcher que les hérétiques ne renversent l'impérium. Mais au fur et à mesure qu'on suit l'histoire, la part d'ombre grandit de plus en plus. Je pense qu'il est possible de le lire même si on n'est pas habitué au monde de 40K. La base, c'est de savoir que l'inquisition se place comme le bien et qu'il chasse les hérétiques et le chaos qu'il considère comme mauvais. Après, il y a quelques subtilités de l'univers et de termes, mais on s'y habitue très rapidement. Bref, c'est une chouette recommandation. Il est quelle famille, cet inquisiteur? Il chasse quoi? L'Exenos, c'est ça? En fait, il est dans les trois, justement. En fait, il y a trois tomes. Ah, il va dans les trois. Maléus, Hérédicus, Exenos. Il fait les trois, en fait. Il fait les trois. Et d'accord. En fait, dans chaque tome, il est basé sur un désordre, on va dire. Ok, d'accord. Donc, le premier, c'est... Je peux avoir le... Donc le premier, c'est Xenos, où justement ils chassent un Xenos et un possédé. Mm-hmm. Maléus, là justement, c'est ça qui est bizarre, c'est dans Maléus, ils chassent un hérétique. Ouais. Et dans Hereticus, c'est la conclusion, où là, c'est un hérétique aussi. Okay. En fait, dans Maléus, c'est un radical qu'il est en train de chasser. Mm-hmm. Donc les radicaux, c'est les inquisiteurs, mais qui utilisent le chaos pour combattre le chaos. Donc pour l'inquisition, bah c'est le mal parce que tu utilises le chaos, etc. Et dans Hereticus, c'est la conclusion où il chasse l'hérétique qui est à la base de Xenos. D'accord, ok. Ah oui, donc Xenos, c'est un artefact. Il est à la poursuite d'un artefact, okay. Xenos. Okay, okay. Et Hereticus conclut avec un hérétique qui était à la base de Xenos. Okay, d'accord. Donc voilà. Ça, je me lirai bien, celui-là. Très, très... celui-là, je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour les livres Warhammer. Ouais. Et ça donne envie d'enchaîner avec la trilogie Ravenor, qui est donc Ravenor dans l'histoire, qui est son disciple. On découvre dans le tome 2, et en fait, qui revient dans le tome 3. Et ça enchaîne donc tome 1, 2, 3 de Ravenor. Quoi. Si vous jouez à Warhammer 40 000, vous pouvez jouer dans une armée de l'Imperium, tout simplement. Garde impériale. Par exemple, ou Space Marines, ou Grey Knight, ou ce que vous voulez. Tout ce qui est côté Imperium, vous pouvez l'avoir. Ouais, en effet. C'est ça, exactement. Après, il faut avoir son codex ou ses règles à lui. Mais c'est dans le codex Inquisition. Voilà. Et si les livres sont intéressants, même si on n'est pas dans Warhammer. C'est justement ce que j'ai dit. Ouais, c'est. je pense que tu saurais le lire, même sans être dans l'univers Warhammer. Mm-hmm. C'est. Enfin, voilà. J'ai toujours du mal avec les livres tirés d'univers qui viennent d'un jeu, que ce soit du jeu de rôle ou du jeu vidéo. En fait. Parce que. Souvent, ils ont des présupposés connus et ça. Là, il m'a pas semblé parce que moi, vraiment, ma connaissance de 40K est, pour ainsi dire, presque nulle. Et je suis rentré par ce premier tome. Et après, j'ai lu l'Hérésie d'Horus, donc il y a une autre porte d'entrée de. Je trouve qu'elle est plus dure là. La porte d'entrée de l'Hérésie d'Horus, c'est beaucoup plus dur. Ouais, là, faut s'accrocher. Ouais. Mais Eisenhorn est une très très bonne porte d'entrée pour rentrer dans cet univers. Si tu connais vraiment rien, parce que ça parle pas de points spécifiques, justement quoi. C'est, on va dire, il y a des généralités et enfin voilà quoi. Mm-hmm.
Ok, merci. Et tu as des créneaux aussi entre l'Inquisition et l'Inquisition de notre époque, entre guillemets, aussi. Donc, ils sont pieux, ils prient le Dieu, etc. Quoi. Et tout le côté extrémiste de l'Inquisition aussi. Quoi. Si tu n'es pas comme ça... Oui. L'Inquisition, c'est un peu le caractéristique de l'extrémisme. Hein. Ben là, surtout l'Inquisition dans l'Imperium. Quoi. On va dire, c'est, si tu dévies un petit peu de ta route, tu es considéré comme hérétique et tu peux y passer, on va dire. Ils ont beaucoup de pouvoir, en plus. Oui. Allez, c'est parti. Maintenant, Grumpy veut nous parler donc, des IA, des fameuses IA qui génèrent des images. Et notamment, on va relier ça au jeu de rôle. Ouais. Alors, je vais prendre sur le prisme du jeu de rôle, simplement parce que c'est mon utilisation, et donc, voilà. donc, il y a 2 ans, j'avais sorti 3 articles, en début de Covid, en fait. Hein, j'avais sorti 3 articles sur le jeu de rôle en ligne et les outils qui les accompagnent, et qu'on peut utiliser en ligne ou non, parce qu'il y en a plusieurs qui étaient utilisables hors ligne aussi. Et là, depuis quelques mois, les IA de génération d'images sont revenus sur le devant de la scène, avec DALL-E, puis DALL-E 2, ou DALL-E 2, et surtout Midjourney, qui sont vraiment... qui sortent du lot, on va dire. Et du coup, j'avais envie de revenir dessus, parce qu'on a déjà parlé plusieurs fois sur le Discord, avec d'autres outils aussi, hein, y en a vraiment beaucoup. Donc voilà. Alors, je voulais juste d'abord un petit peu revenir sur un outil que j'avais abordé dans mes articles, qui était Artbreeder. Artbreeder, c'est un site où on peut aussi générer des images à travers de l'IA, mais qui est un petit peu différent. Et avant de parler des nouveaux outils, j'avais envie de parler de celui-là, parce que moi, c'est un des outils que j'utilise le plus quand je veux préparer ou que j'ai besoin d'illustrer notamment des personnages. Donc, Artbreeder, comment ça fonctionne ? Que ce soit un paysage ou des faces de personnages, on a une série de composants, par exemple, pour un paysage, il y a de la neige, des lacs. Pour un visage, c'est la quantité de cheveux, plutôt masculin, plutôt féminin, gros, maigre, blond, noir, peau très claire, peau très foncée. Enfin, il y a une gamme de paramètres et il y a aussi le côté rendu plus plutôt... crayon, plutôt dessin, plutôt réaliste, etc. Donc tout ça, c'est des paramètres qu'on peut jouer, mais qui vont être des curseurs. Donc c'est vraiment, on va vraiment toucher les curseurs et puis on a quelque chose de plus ou moins réaliste et un moyen de venir nourrir à travers d'autres images déjà existantes, l'outil, et de faire des dérivés dessus. Et puis l'outil en lui-même nous permet de connecter à d'autres outils, comme par exemple, il y a un outil qui permet de mettre une bande... son vocal sur le visage qu'on a mis. Alors on voit le visage qui s'anime pour faire une petite vidéo, on va voir notre personnage qui se met à parler, ce qui est plutôt cool pour par exemple envoyer dans un mail avant une campagne pour introduire le jeu. Je l'ai jamais fait, même si je l'ai déjà préparé, mais j'ai jamais pensé à l'envoyer parce que au final il était trop tard quand c'était prêt. Donc ça c'est un premier outil. Sinon, pour les visages, j'utilise aussi parfois This Person Doesn't Exist, qui est un autre outil où ça génère une face de personnage. Donc ça, c'est un petit peu ce que j'utilisais beaucoup avant. Et puis j'ai commencé tout doucement à switcher sur Bel et Nouveau pour tout ce qui est paysage. Alors je ne les ai pas encore utilisés en jeu, parce qu'il n'y avait pas l'occasion pour l'instant, mais ça va certainement arriver. Il y en a vraiment beaucoup, mais on en parle surtout de deux, c'est DALL-E 2 et Midjourney. Donc c'est vraiment les deux principaux qui font le plus de buzz. Alors bien sûr, comme ça, il y a plus de buzz, on en parle encore plus. Il y en a d'autres qui sont très intéressants aussi. Je vais vous donner une série de liens à la fin que vous pouvez essayer, dont certains qui sont complètement gratuits, parce que DALL-E 2 et Midjourney, on a un certain nombre de crédits, mais après, il faut payer. Oui, exact. J'ai payé cet après-midi pour jouer un peu avec. C'était avec les taxes en Belgique, c'est $12
pour 200 générations et on nous en offre 35 de 235 générations et pour en faire une gratos si vous voulez. Ouais. Bah, pour après, voir comment ça marche quoi. Ça reste raisonnable quand on voit le résultat. Ouais. Enfin, moi je trouve c'est raisonnable. Donc ces nouveaux outils, comment est-ce que ça fonctionne? Alors je vais pas vous parler d'IA parce que c'est un sujet compliqué et que je maîtrise pas du tout, mais plutôt comment est-ce qu'on les utilise. Donc globalement, c'est du text to image. Donc, c'est-à-dire qu'on va taper un texte qui décrit une situation, souvent sous forme de phrase plutôt que de mots-clés. Donc, ça fonctionne mieux quand on utilise vraiment une phrase. En anglais, parce que la plupart du temps, ça a été entraîné avec de l'anglais. Mais il y en a d'autres qui fonctionnent en français aussi, ou dans d'autres langues. Et puis de là, on va avoir des propositions d'images qui sont plus ou moins correspondantes à ce qu'on avait fait. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir soit continuer à retravailler d'autres images en sélectionnant une qui vous plaît plus qu'une autre, soit suivant les outils, par exemple DALL-E 2, vous pouvez sélectionner une zone de l'image pour dire de retravailler une partie ou effacer des choses, ou venir rajouter d'autres inputs, donc d'autres textes pour enrichir votre image, etc. Donc ça, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Pour Midjourney, par exemple, il y a un outil que peu de gens utilisent, mais qui est disponible. C'est le côté initialisation à partir d'autres images. Donc, en plus du texte, vous mettez une image de départ et ça va combiner cette image avec l'IA de Midjourney pour générer une nouvelle image qui, du coup, va incorporer ce que vous avez comme idée au départ. Ce qui est différent et que beaucoup de gens malheureusement n'utilisent pas parce que c'est dommage. J'ai pas encore testé Midjourney, mais j'ai regardé les gens, les vidéos et autres, des gens qui l'utilisaient et ça donne des résultats plutôt intéressants. Alors, dans le cadre du jeu de rôle, puisque c'est surtout ce point de vue-là qui m'intéresse, pour l'instant, de tous ceux que j'ai vus et testés, j'en ai testé quand même pas mal d'autres. J'ai pas mis des liens de tous ceux que j'ai testés parce que il y en a tout le temps qui sortent. Mais Midjourney, même si c'est pas celui-là, je l'ai pas encore testé, c'est celui qui semble le plus intéressant dans le cadre du jeu de rôle parce que les styles d'image qu'il génère, donc le style ça se définit aussi, on le dit dans quel style on veut l'image, mais le style d'image qu'il génère ont un grain qui est fort proche de ce qu'on a l'habitude de voir dans des illustrations de jeux de rôle, etc. Et du coup, ça met tout de suite beaucoup plus dans l'ambiance que d'autres trucs. Je veux rajouter un truc pour rebondir sur ce que tu dis. Donc le jeu 9e âge auquel je joue, il galère un peu pour trouver les illustrateurs. Et c'est quand même voilà. Et du coup, ils ont créé une IA Art Team qui, son but, va réunir des gens qui vont générer des dessins avec l'IA pour justement alimenter les futurs livres de règles. Et ça, je trouve ça assez fou. Là, ils ont montré un peu les résultats qu'ils arrivent à sortir. C'est incroyablement beau. Et oui, il y en a qui vont atterrir dans les après, livres. Après, peut-être qu'ils ne veulent pas payer non plus les artistes à leur juste prix. Ça, c'est un autre débat, peut-être. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'argent. Donc, c'est un travail communautaire. Oui, alors effectivement. Voilà, donc tout est bénévole. Donc, après, voilà, je comprends que des artistes bénévoles ne vont pas. Après, il y en a qui ont fait des magnifiques illustrations et que. Je comprends, quand tu es illustrateur, tu n'as pas envie de rejoindre. Mm-hmm. C'est bénévole, quoi, donc c'est chacun fait ce qu'il veut. Quoi. Oui. Et du coup, je trouve ça une bonne solution. Effectivement, c'est super intéressant. Le but, ce n'est pas de ne pas payer, c'est juste qu'on n'a pas les ressources, en fait. Après, dans les images générées, quand on les observe un peu plus, on voit que ça a été généré. Oui. On voit que ce n'est pas parfait, on voit qu'il y a des trucs un peu clunky. Mais ça peut être une bonne base sur laquelle retravailler une image. Et parfois, avec quelqu'un qui a peu de talent en retouche d'image, mais ça peut suffire à faire les petits changements qui font que l'image va être nickel ou paraître en tout cas pas complètement déformée au premier abord. Quoi. Donc ça, c'est un truc qui vaut vraiment la peine. Alors, ça c'est bien, ça, on génère notre image, etc. Mais est-ce qu'on peut tout en faire? Là, ça va dépendre un petit peu, donc le droit à l'image va dépendre un petit peu de l'IA que vous allez générer. Sur Midjourney et DALL-E 2, normalement, de ce que j'ai lu, mais j'ai parcouru très très rapidement, vous pouvez faire à peu près n'importe quoi avec. Donc vous pouvez vendre, etc. Mais il y en a d'autres où il y a peut-être des conditions qui s'appliquent, etc. Donc ça, c'est un truc qu'il faut bien aller lire. Parce que
Il ne faut pas que ce soit, soit compliqué. Et par contre, il y a d'autres sujets qui sortent en dehors de ce côté utilisation de ce qui sort de l'IA. C'est même, il y a eu le même souci qu'avec GitHub Copilot. C'est, on ne sait pas sur quelles images ils sont réellement entraînés. Et donc, ben, peut-être qu'il y a des artistes qui ont, dont leur image a servi à entraîner l'IA, qui ne veulent pas que leurs images soient utilisées dans ce cadre-là. Donc ça génère des débats intéressants parce que de ce côté-là, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Mmh. GitHub Copilot, j'en avais parlé un tout petit peu dans je ne sais plus quel podcast, je pense que ça devait être sous forme de news. En gros, c'est une IA pour vous aider à coder, sauf qu'ils sont entraînés sur des projets qui, dans certains cas, ne sont pas toujours de bonne qualité, donc ça donne de la merde dans ton code. Ou ils sont entraînés dans des codes qui ont des licences particulières, et donc reprendre ce bout de code, ben, normalement, devrait donner une licence particulière à ce que vous êtes occupé à développer, etc. Donc c'est un débat qui n'est pas clôturé. Dans le cadre des images, ben, y a le même débat. C'est qu'on ne sait pas trop, du point de vue légal, quoi faire avec les lois en vigueur pour ce genre de travail, parce que ben, est-ce que, comme un artiste qui s'inspirerait d'une œuvre existante, c'est vraiment une source d'inspiration et c'est son imagination, entre guillemets, qui, qui travaille, ou est-ce que, ben, comme c'est un programme informatique, c'est autre chose? C'est vraiment un débat qui doit encore être fait. Pendant ce temps, par exemple, j'ai généré un tableau, la bataille de Washington. Je ne sais pas si on le verrait à la caméra, via le smartphone. Attends, je vais t'agrandir, si je trouve un plan. Sinon, tu ne peux pas l'envoyer à Wally. Voilà. Ah non, c'est encore plus petit. Yeah. Oui, on voyait là. Oui, on voit un petit peu. Oui, donc voilà, par exemple, pendant les 2 minutes, hop, voilà, j'ai fait un tableau via Midjourney, bataille de Washington, quoi. Donc on peut deviner que c'est deux affrontements de troupes américaines, etc. Donc, ouais. Non, franchement, c'est des outils super intéressants. Moi, je vous invite vraiment à, si vous, alors moi, je parle dans le cadre du jeu de rôle, mais si vous voulez tester, je vous invite vraiment à aller découvrir ce genre d'outils, parce que c'est assez bluffant. Il y a des trucs qui sont complètement foireux, des trucs qui sont très avancés. Ça dépend un petit peu de si vous avez une idée exacte de ce que vous voulez ou non, si vous voulez un texte plutôt vague ou plutôt précis. En fonction de ça, vous allez avoir des résultats relativement différents. Mais, c'est un petit peu voilà. Dans la chance aussi. Parfois, oui, il y a des trucs, ça ne va pas du tout. Il y a des trucs, ça donne des résultats mais vraiment immondes. Ça va vraiment dépendre. Quand vous êtes dans des sujets relativement classiques et connus, qui vont être partout, ça va aller tout seul. Dès que vous êtes sur des sujets un peu plus précis ou sur des sujets sur lesquels l'IA n'a pas du tout été entraînée, ça va être relativement bof. Par exemple, moi, je voulais avoir un chevalier sur Pégase ou sur Griffon. Et du coup, ce qu'il me faisait, c'était un chevalier mi-Pégase, mi-Griffon, mais pas sûr, tu vois. Et du coup, voilà, c'est pas ce que je voulais, quoi, par exemple. Quoi. Et si vous ne maîtrisez pas l'anglais, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés aussi, parce qu'un Google Translate, c'est pas ça, quoi. Ouais, après, il y a des méthodes pour parler avec des virgules, avec des plus. Enfin, il y a différentes méthodes pour essayer de parler à l'IA. Après, il faut un petit peu lire la doc et voir un petit peu ce qui est pour le mieux. Mais... Voilà, moi, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Je voulais juste surtout faire un petit point dessus. Même si j'ai commencé à rédiger un article pour le site de Geeks League, c'est un sujet très vaste. Il y a beaucoup à dire, c'est compliqué à expliquer. Le côté comment ça fonctionne derrière, donc ça je ne le ferai pas parce que honnêtement, vous cherchez sur YouTube, vous allez trouver plein de gens qui vous l'expliquent, mais c'est très technique parce que c'est l'IA. Mais du côté utilisation, là, vous allez aussi trouver plein de trucs, mais c'est vraiment un truc qui vaut la peine d'être testé parce que c'est quelque chose qui est là pour rester. Et ce que j'ai déjà commencé à apercevoir comme utilisation pratico-pratique en dehors de tests et de, comme moi, jeux de rôle,
c'est des gens qui veulent une illustration ou quoi. Et en fait, ils utilisent ça pour générer quelques idées de qu'est-ce que ça pourrait être. Et puis, ben, soit demander à un artiste de faire une illustration ou de partir de ça, soit proposer à leurs clients plutôt, ben, c'est plutôt dans tel style ou tel style, sans devoir dessiner soi-même quelque chose. Et du coup, après, ben, avoir un dessin qui va directement à l'essentiel, ce qui fait gagner du temps. Parce que quand on discute avec un illustrateur, ben, c'est expliquer ce qu'on veut et avoir quelque chose qui ressemble à ce qu'on a en tête, qui est le plus dur. En fait. Donc ça ne va pas remplacer les illustrateurs, mais ça va aider les illustrateurs. C'est-à-dire que ceux qui faisaient sur du Fiverr, ils faisaient des copier-coller d'images en ligne et puis ils faisaient un petit blend pour que ça ressemble à quelque chose, mais qu'en fait ils ne respectaient pas les droits à l'image, etc. Ceux-là, ils vont probablement disparaître. Mais les vrais artistes qui faisaient des créations, que ce soit numérique ou physique, probablement que ça va être un outil d'accompagnement. Parce qu'il y a dans les artistes, les illustrateurs, bah, t'as ceux qui sont complètement du côté imagination et puis ceux qui sont du côté complètement technique. Et parfois, ils ont un peu du mal à se croiser et à composer. Et ça peut être une source d'idées par rapport à justement une illustration quand il y a une page blanche ou quoi. Ça, c'est un petit peu ce que j'entrevois. Quand soit je discute avec des gens qui font du dessin, soit quand tu regardes des vidéos YouTube ou tu suis des Twitter ou autres d'artistes. C'est vraiment ça l'utilisation qui a l'air de se dessiner, en tout cas pour l'instant. Quoi. Donc c'est plutôt intéressant. Bah oui, franchement, j'ai mordu aujourd'hui dessus et c'est vraiment cool à explorer, vraiment. Allez, je vais faire un coup de gueule. C'est un coup de gueule, ça va être tranché. Alors, il y a des cons racistes et sexistes qui aiment le mettre fan, et ça me fait chier. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas si vous avez vu, la violence raciste envers les personnages noirs de la série Les Anneaux de Pouvoir, on en a parlé justement, est en train de se déchaîner sur le web, tout comme les harcèlements, même des harcèlements des acteurs et des actrices de la série. Donc même à tel point que le casting communiquer mutuellement une publication à sujet pour se défendre justement contre le déferlement de haine. Alors mon avis, c'est que tous ces gens aillent tout simplement se faire foutre, hein, parce qu'on s'en fout en fait de la couleur des gens. Une œuvre, en fait, elle reflète dans laquelle la société vit. Tolkien, quand il écrit son œuvre, je suppose que c'était quand même un milieu principalement d'hommes blancs. C'est surtout une époque de guerre. C'était notre époque. Et du coup, on vit maintenant dans un autre milieu, dans une autre société, et du coup, c'est normal qu'il y ait des personnages de couleur dans les aventures science-fiction. Quoi. Donc Amazon, il a créé son œuvre, et c'est une nouvelle œuvre en fait qu'Amazon a créée, c'est pas une copie de ce que Tolkien a fait, donc c'est normal qu'Amazon s'ancre dans son milieu en fait. Et donc c'est normal qu'il y ait des acteurs noirs dans le casting. Des anneaux, tout simplement. Et donc c'est normal qu'on ait des elfes noirs, qu'on ait des nains noirs, qu'on ait des humains noirs, comme on a des femmes et des hommes, voilà, tout simplement. Oui, comme on a des gros, des maigres. Tout à fait. Et, attention. J'ai jamais vu des elfes gros. Non, mais peut-être que ça va arriver. Ce serait l'occasion, justement. Et attention, Jésus n'était pas forcément blanc. Ah, Jésus, oui. Je sais même pas si ça existait, mais oui, il était plus de chance d'être maghrébin que d'être blanc, les gars. Attention, je ne veux pas qu'on se prenne des pierres, mais j'ai des doutes. Hein. Alors, les personnes noires, donc, j'ai entendu ça comme argument, c'est les personnes noires sont juste là, présentes au casting pour des raisons commerciales. Il y a beaucoup de gens qui disent ça pour les séries où il y a... un peu de tout pour représenter, genre comme ça tout le monde est content. Mais oui, mais comme tout le monde peut se représenter dans le film, en fait, c'est pour ça. En fait. Ça, c'est exactement. Le problème avec Hollywood, c'est que c'est ce qu'on appelle le wokisme maintenant, quand on utilise le mauvais mot, mais et qu'on veut le dénigrer, souvent c'est ce qu'on utilise. Mais aux États-Unis, c'est vrai qu'à Hollywood particulièrement, ils ont vraiment mis l'accent dessus. Et je trouve ça super intéressant. Là où tu regardes par exemple avec Bollywood, par exemple, quand ils vont utiliser de la diversité ethnique, ça va être pour faire des ennemis. Par exemple, si tu veux avoir une tribu de méchants en face de toi, ils vont prendre des blacks. Ils ne vont même pas se poser de questions, de se dire que des ennemis qui sont noirs... Comme on faisait la télé française en 80. Non, eux, ils y vont. Et tu vois que ça nous choque, nous, parce que c'est des questions qu'on a déjà travaillées, qu'on ne penserait même plus revoir.
Mais chez eux, ça ne pose aucun souci. Un, parce que ce n'est pas du tout des questions qui sont d'actualité pour eux. Mais aussi, il n'y a pas le même rapport avec le racisme, l'esclavage, etc. qu'il y a eu chez nous. Donc, c'est super important de travailler. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas que ça tombe dans l'extrémité inverse où alors, il faut un machin, un bidule, un truc. Ouais, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Quoi. Mais c'est... Même dans le jeu vidéo, il y avait ça aussi hein, à l'époque. Par exemple, les trolls dans WoW, ils parlaient en black ghetto. Tu vois, ils, par exemple, ils disaient pas this house, ils disaient da house. Tu vois, par exemple, ouais. Et des trucs comme ça. Et maintenant, c'est plus du tout le cas. Ils parlent. Après. Et en français, ils parlaient aussi avec un accent africain entre gros guillemets, hein, en roulant les R. Etc. qu'il n'y a plus maintenant quoi. Donc ouais. pour lisser un peu là où par contre ce que j'aime pas Hollywood c'est que les scénarios sont lissés en fait, il n'y a plus rien qui a plus. Toi, tout est fait pour être lissé dans le sens du terme, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, donc la série pour moi la série Anneaux du pouvoir n'est pas non plus représentative au wokisme hein. Elles sont voilà, chaque personne a sa place puisque elles sont présentes, donc elles ont leur place. Exactement. Tout comme les femmes, d'ailleurs, parce qu'apparemment, il y a aussi du sexisme, hein, parce qu'à propos notamment de l'actrice qui joue Galadriel, apparemment, ça ne plaît pas à certains. Ah. Donc en 2022, voilà. Pourtant, Galadriel, je pense qu'elle a toujours été vue comme une femme plutôt forte. Bah, oui, elle a toujours été. Mais tout le monde dit que c'est une Marissou et que machin, un truc. Mais c'est une putain d'elfe, quoi, les gars. Elle a 4000 ans déjà. c'est surtout une putain de puissance. Hein, oui, c'est pas n'importe qui. Et puis c'est peut-être une Marissou, mais gueuler sur Tolkien qui l'a. Écrit comme ça aussi. Et c'est même pas une Marissou, parce qu'une Marissou, elle se met. Elle a pas besoin d'équipe. Oui, puis elle se met en avant aussi tout pour elle, alors que là, bah, on sent quand même que c'est quand même compliqué. Enfin, en tout cas, j'ai vu le premier, c'est quand même pas facile pour elle. Quoi. Enfin, mais par contre, moi, un truc qui m'a étonné, justement, en parlant des femmes, c'est qu'il n'y a pas genre une race où c'est les femmes qui dirigent et puis une autre où c'est les mecs. C'est qu'il y a vraiment un mixte. Et t'as pas ce côté qu'il y avait il y a quelques années où quand on essayait d'introduire par exemple plus de personnages blacks ou plus de personnages asiatiques, t'avais toujours ce rôle dédié aux blacks, ce rôle dédié à l'asiate. Ici t'as pas ce... Si dans une race tu sens que à deux façades tu vois qui dirige, mais après quand tu passes derrière tu sens que derrière toi c'est pas vraiment mais, ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire c'est que c'est fait de manière beaucoup plus naturelle. Oui, là où il y a quelques années sentais qu'on essayait d'attribuer un rôle, de le distribuer, de machin. Ici tu vois que c'est mixé et qu'il n'y a pas ce côté ouais là c'est comme ça, point barre. Ça, je trouve que c'est beaucoup plus naturel en fait. Oui. Voilà. Je dirais pour conclusion, voilà, en 2022, ce que certains décrivent comme la diversité et que finalement n'est qu'une représentation légitime du monde imaginaire ou réel devrait être considéré comme normal. Voilà les gars. Et du coup, si ça ne vous plaît pas, bah, allez retourner dans vos univers de, je sais pas moi, de mecs là, j'en sais rien. Enfin voilà. Nous cassez plus les couilles quoi, franchement. Enfin, voilà. Totalement. Voilà. Mais écoutez, c'était tout. C'était mon coup de gueule. Parce que vraiment, ça m'a énervé un peu ces débats là sur Facebook. Dès qu'il y a un article, il y a 15 connards qui postent ça. Après, c'est toujours la même chose. Hein. C'est ceux qui font le plus de bruit qui vont être mis en avant, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Hein, parce que c'est, quand c'est dans l'autre sens aussi, où on essaie de défendre les causes, mais qu'on en rajoute, c'est pas bon non plus. Donc il faut trouver le juste équilibre dans tout. Mais mon fil Twitter n'était pas dans le juste équilibre. Allez, il reste encore une chronique et c'est Méo qui va nous parler de quoi, Méo ? Je vais vous parler de Hardwest 2. Dans le Geeks League 238, je vous parlais de Weird West en disant que le jeu était sympa, mais que j'avais préféré Hard West, premier du nom. Eh bien, sachez qu'il y a une suite qui n'en est pas vraiment une, c'est juste grosso modo le même univers, qui est développé par Ice Code Game et édité par Good Shepherd Entertainment. À tes souhaits. Ouais, c'est, voilà. Et le jeu est sorti le 4 août 2022. Je ne sais plus à quoi ça ressemble à Hard West. C'est du Far West X-comien.
Ok, là, oui, je vois. Ok, oui, oui ouais. Je vois. Yeah, oui, je sais même pas qu'il y a un 2. Le 4 août. Donc, on retrouve le même univers de Far West teinté d'apparitions démoniaques et dont les combats se déroulent au tour par tour. Cette fois-ci, on incarne Jean Carter et sa bande de hors-la-loi qui tentent de ramasser autant d'or qu'ils le peuvent, logique en même temps pour des hors-la-loi, mais aussi de récupérer leurs âmes volées par un démon. On est dans les apparitions démoniaques. Le jeu se déroule en partie sur une carte du New Monde que vous parcourez librement et où des éléments narratifs s'offrent à vous avec plusieurs choix de dialogue que vous pouvez faire suivant votre moralité et qui permettra d'obtenir des objets, des améliorations, voire même parfois des personnages pour renforcer votre équipe. Les combats, qui sont la majeure partie du jeu, se déroulent en tour par tour à la XCOM, mais avec quelques subtilités et améliorations par rapport à Hard West, premier du nom. Il n'y a pas un problème de munitions dans le premier, c'est pas ça ? C'est exactement ce que j'en souviens, tu vois, bam. Par exemple, il y a plus de trucs de munitions. En gros, vous avez un pistolet qui a 45 000 balles et vous tirez sans aucun problème en enchaînant. Mais si vous arrivez, par exemple, à tuer un ennemi... Tiens, la bouteille est ouverte. Si vous arrivez à tuer un ennemi, vous récupérez tous vos points d'action. Donc, il n'y a plus de perte d'action pour recharger votre arme. Et il y a également une amélioration de la chance quand vous ratez vos tirs. Donc, qui, au bout d'un moment, si vous ratez 5 tirs, vous avez 100% de chance de toucher sur votre sixième tir. Ah, c'est pas mal, c'est pour XCOM, ils devraient le mettre aussi. Oui, exactement. Il y a toujours le même pourcentage de chance. Hein. Si vous avez 80% de chance de toucher, vous tirez, vous ratez. C'est encore à corps, connard. Mais bon, c'est 80%, c'est comme ça. T'es au shotgun, il y a une case à côté de toi. Comment tu peux rater ? Oui, c'est ça. Et pourtant, tu rates. Le genre n'est pas vraiment réinventé. Hein. On reste toujours dans du tour par tour classique. Avec quelques pouvoirs surnaturels, quand même, tu as un personnage qui peut inverser sa position avec un autre et des trucs comme ça. Tu en as un qui peut tirer en grosse ligne droite sur tous les ennemis qui sont sur cette ligne. Mais ça donne quand même un petit coup de fraîcheur et qui permet, par exemple, si on se coordonne bien avec nos actions, on peut se défaire de 10 ennemis en un seul tour alors qu'on n'est que 3. Et les ennemis, genre les 10, n'ont même pas le temps de jouer parce qu'on arrive à les dégommer, à récupérer toutes nos actions, à continuer à les dégommer, etc. La qualité graphique est au rendez-vous, les illustrations ayant un côté surnaturel mais diablement efficace. À mon avis, elles n'ont pas été faites par IA, mais par, par un illustrateur. Il vaut mieux prendre des illustrateurs. Ouais, c'est clair. Ça résultera sera toujours meilleur. Bref, c'est un très chouette jeu qui est bien plus prenant que Weird West et n'étant pas du tout la suite, bien que n'étant pas du tout la suite de Hard West. Mais si vous avez aimé le premier, donc Hard West, hein, pas Weird West, je pense qu'il pourra vous convaincre également. Il est disponible sur Steam pour 25€, c'est un peu cher, mais en vérifiant juste avant le Geeksic, je viens de voir qu'il y avait une démo. Donc n'hésitez pas à la faire, c'est gratuit et ça vous permet de vous faire un premier avis. Bien tout de même, on risque d'attendre jusqu'à quand il y a une réduction. Oui, aussi. Mais voilà, là, vous pouvez faire la démo. Et puis, si ça vous plaît, vous mettez en wishlist pour voir s'il y a une réduction. Et il me semble que la démo, c'est 2 heures de jeu. Entre 1 heure et 2 heures de jeu, peut-être. Donc, ça permet d'avoir quelques bases quand même du jeu pour savoir si ça va nous plaire. Donc voilà, pour ma part, c'est un oui. C'est un oui ? C'est un oui. Très bien. Bah écoutez, restez dans coup de cœur, coup de gueule. Ouais. Et pas, t'as coup de cœur. Coup de cœur. Coup de cœur. Eh bien, j'ai beaucoup regardé de séries et films, mais j'ai aussi joué à un jeu cet été, c'est Stray. Donc, mignon petit chat roux que tu balades. J'étais sûre de le jouer. Mais oui, mais le truc, en fait, ce qui est bizarre, c'est que quand j'ai dit, je fais « Ouais, il y a le jeu là qui vient de sortir, il est chouette », j'ai l'impression que tout le monde a accueilli en mode enfin, « C'est quoi ce truc ? Genre, t'as un chat, c'est un truc de meuf, quoi. » Je suis en mode « Non, mais il est bien et tout. » Enfin, c'est pas... c'est Half-Life avec un chat, voilà. C'est... Enfin bref, très, très bizarre, j'ai l'impression que ça n'a pas été bien accueilli. Et puis, ça a été streamé par plein de streamers. Mais après, je sais pas oui, mais oui, c'est ça aussi. Et direct, ça a été. Bah, c'est un vrai jeu ou c'est un jeu de streamer ? Bah oui, oui, forcément. Bah, moi, je vois ça chez tous les streamers, je dis ok. C'est un vrai jeu, enfin, je sais pas. C'est pas parce que les streamers le stream que c'est un mauvais jeu ou pas un vrai jeu.
c'est peut-être que justement il sort du lot, c'est tout. Oui, voilà. Enfin, moi je l'avais déjà vu, c'est, je sais plus à quel E3, mais et j'étais en mode oh chouette. Et après j'avais complètement oublié parce que ça faisait longtemps. Et c'est un pote qui a fait oh, il est sorti. Je fais oh yes. Donc je l'ai acheté tout de suite et j'ai joué pas mal. Je l'ai pas encore fini parce que bah compliqué d'avoir du temps. Tu prends ton temps. Je prends mon temps, mais voilà. Il vaut mieux savourer plutôt que foncer. Oui, surtout qu'en hein. fait, il y a plein de références dans le jeu. Donc, de ceux que j'ai déjà retenus, il y a Retour vers le futur que j'ai repéré à 2000 km. Alors, ce jeu ne peut être que bon. Voilà, Retour vers le futur. Il y a même des références aux Simpsons, Donjons et Dragons. Regarde, l'objectivité qui s'en va. Donjons et Dragons. Mais donc il y a aussi apparemment il y a Gravity Falls aussi qui est en référence. Est-ce qu'ils ont des références à Stargate? Bah non, c'est forcément non. Un mauvais jeu. Par contre, il y a une référence aussi à la série Mr. Robot. Donc enfin, il y a plein de références maintenant. Bon, il y en a peut-être que j'ai loupé hein, mais surtout que je l'ai pas encore fini, mais enfin voilà. Donc il y a plein de trucs et c'est un chouette jeu solo parce que c'est vrai qu'il y a enfin on cherche beaucoup de jeux à faire en multi ces derniers temps, j'ai l'impression. Sans doute influencé par les streamers hein, qui font du multi. Mais moi, j'aime bien les jeux solo de ce genre et c'est assez chouette. Un peu aventure où tu peux aller où tu veux sans vraiment, en étant dirigé quand même, évidemment. Hein, faut pas, ils vont pas faire un truc hyper grand. Mais je trouvais vraiment chouette comme jeu. Et 26,99€, je trouve que c'est pas mal pour le jeu que c'est. Et moi, j'aime vraiment bien. Donc, même si certains disent qu'il est un peu simple, genre tu te laisses couler, tu fais le truc quoi, mais en vrai tu peux vraiment bien chercher et faire plein de trucs. Donc, moi je trouvais assez chouette. Et puis surtout, c'est un petit chat roux et mon chat il est roux alors. Déjà rien que ça, voilà. T'as des skins pour le chat ou pas? Ouais. C'est toujours un chat noir. Mais en fait, j'ai vu quelqu'un qui avait réussi à remplacer le chat par Spyro. Et semble avoir vu que tu vas pouvoir remplacer le chat pour avoir ton propre chat à toi. Enfin, genre, si t'as un chat, tu vas pouvoir faire le signe de ton chat. Si j'ai bien vu. Sur Nexus Mode, t'as plein de modes, justement, de plein de chats différents. Ok, d'accord. C'est donc, il y a moyen d'avoir autre chose qu'un petit chat. Ces genres de choses, je trouve que si les développeurs sont intelligents, ils font un partenariat avec une boîte ou quoi, où tu fais des photos de ton chat, ça fait un modèle 3D et ça le met dessus, quoi. Oui, je pense qu'ils vont d'office. Et tu vends ça avec un petit extra et tout le monde va le payer. Parce il y aura vite mais des chats. Je trouve ça vraiment chouette. Et franchement, la musique est vachement chouette et les décors aussi. Enfin, moi, je suis émerveillée à chaque fois que j'y joue, quoi. Je suis en mode, waouh. Enfin, donc, voilà. Vraiment très chouette jeu auquel j'ai joué cet été. Okay. Sinon, moi, j'ai testé comme ça un autre jeu, c'est Domekeeper. Ça n'a rien à voir, mais je vous le conseille. Il sort fin septembre. C'est un petit jeu de gestion de ressources avec défense. Donc, c'est du tower defense, gestion de ressources. C'est pas mal du tout. C'est relativement rude en termes de difficulté, mais ça vaut vraiment la peine si vous aimez ce genre de petit jeu. Ok. Merci. Et quand on est dans les petits jeux, oui. J'ai un accès. vas-y. J'ai un accès à Diablo Immortal, alors qu'il n'est pas disponible en Belgique. Ah, mais ne lance pas ça, c'est la grosse chiasse. Oui, tout à fait. Mais j'ai eu une notif sur mon téléphone qui m'a fait "Hey, Diablo Immortal." Et j'étais sur le Play Store et j'ai pu l'installer. Okay. Alors que tous ceux à qui j'en parle, ils font "Bah non, moi mon Play Store, il m'a toujours qu'il n'est pas disponible en Belgique." Ne l'installez pas, même si vous pouvez. Non, mais voilà, c'était juste. Et Grumpy, il est temps de remercier nos tipeurs. Eh oui, et donc nous remercions. C'est bien parce qu'on avait dit après les news. Ouais, mais c'est pas grave. Mais c'est donc que l'application se lance. on est après les news tech, après les news tech, c'est vrai. L'application se lance, elle est lancée depuis tantôt. Donc, nous remercions Dergonic, Rems, Zitophile, Pirkens, Gauthier, Cardar et notre Jérôme. Alors, merci à vous, les gars. Pirkens ou Pikruns? Pirkens, non? Pirkens, ouais. Ouais. Alors, si comme eux, vous aimez ce qu'on fait, si comme eux, vous aimez ce qu'on fait, oui, c'est ça. N'hésitez pas. Si vous aimez, et qu'en plus de ça, vous aurez la chance d'apparaître dans l'app Geeks League. Tout à fait. Qui nous sert juste pour le live, mais. Ouais, bon. La prochaine fois, vous verrez, on a fait. Grumpy a fait une petite app qui va permettre plein de choses, donc c'est incroyable. Donc, si, ce que je voulais dire, c'est qu'on a un Tipeee, et que tout simplement, vous pouvez laisser un petit pourboire sur Tipeee. Ça paye les bières, voilà. Ouais. C'est ça, les gars. Et vous pouvez nous laisser un petit tips aussi en live. Un petit sub en live quand vous nous regardez. Lâchez votre Prime ou ce genre de choses. Ça nous aide aussi. Mais après, la meilleure façon de nous aider et la plus gratuite, c'est de nous partager, tout simplement.
Bah voilà, écoutez, je pense qu'on va clôturer ici le petit podcast. Il y avait un cadeau Steam. Mais oui, mais il n'y a pas Dragon Quiz parce qu'on était. Là-bas, je pensais qu'on était que 3. Et puis j'ai vu après qu'on était 4. Donc je me dis, oh bah tant pis, j'ai pas fait Dragon c'est Quiz. C'est scandaleux. Et bah, ça sera au plus rapide sur la chatroom qui remporte Bullet Point. Non, minute. Attends, on va leur quand même leur poser une question. Non. Si. Voilà, au plus rapide. Bon. Bah. Allez, c'est parti. Battez-vous. Voilà. Battez-vous. Je ne sais pas la qualité de ce jeu. Bah écoutez, on va clôturer ici le podcast. Alors, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain Geeks League. Mais on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouveau format de Geeks League qui s'appelle normalement l'entre-deux geeks. Normalement. On n'est pas encore décidé sur le nom. On n'est pas encore décidé dans le nom. Mais ça sera, qu'est-ce que ça sera? Ça sera en gros la chronique des news tech, sauf que ça sera la chronique news geek un peu plus globale, parce que j'aime bien parler un peu de figurines, j'aime bien un peu parler de jeux de société, jeux de rôle, de tech aussi, et de petits sujets. C'est un podcast qui va durer à peu près 10 minutes. Donc c'est vraiment un format court. Donc tu vas rester sur 10 minutes, tu fais pas plus court pour finir. Parce que si tu veux aller sur... Non, on n'ira pas, on restera sur YouTube et sur... Ok. Et sur, non, j'ai réfléchi au début, on va faire TikTok, mais tant pis. On est trop vieux pour TikTok, c'est ça ? Je suis trop vieux, je peux pas. j'ai commencé à travailler sur le format vertical, je me dis, oh, mais non, allez tous vous faire mettre avec votre format vertical. Oh, c'est pas très compliqué. Non, hein. Mais bon, ça me faisait chier. Au bout on passe notre temps à faire ça. Donc. Voilà. Mais du coup, non, on va rester sur le format YouTube. Par contre, ce sera un format de 10 minutes. News tech condensé, donc c'est tout ce que vous news geek, on va dire condensé, un peu comme on fait dans les news tech, mais un peu plus large au niveau de ce qu'on veut parler. Donc et surtout, ça sera entre deux podcasts. Ça sera entre deux geeks, si tout à fait. Comme ça vous pourrez nous retrouver. Ça sera le vendredi à 22h, je pense qu'on va garder le format live, mais par contre, ça ne durera que 10 minutes. Et après, vous pourrez le retrouver en podcast et. Sur YouTube. Ben voilà. Voilà, tout simplement. Donc, vendredi, 22h, j'espère vous pouvoir peut-être. À mon avis, ce sera celui d'après. Je pense pas que ce sera après. ça dépend de plein de choses. En tout cas, tenez-vous au courant. Tenez-vous au courant. Ça sera un petit format rapide de 10 minutes. On va essayer un petit peu de voir ça. Ce sera l'épisode pilote. J'ai déjà pas mal de choses de prêtes, mais il manque encore un peu de boulot à faire dessus. Mais j'aimerais bien lancer ça. Pourquoi ? Pour garder le lien un peu plus, parce qu'on s'est rendu compte que 15 jours entre chaque épisode, à une époque où tout va très vite, ça commence à être long en fait. Voilà, donc il y a 10 ans, tous les 15 jours, c'était beaucoup. Maintenant, c'est très maintenant, très on est vieux. Non, c'est très très éloigné pour la folie des podcasts et tout ça, quoi. Donc on va essayer de se rapprocher un peu comme ça. Et voilà. Avec justement ce petit format, news rapide, machin, truc, on verra un petit peu comment ça tourne. Et aussi, si je tiens le rythme, ça va être vraiment un test. Un test. Maintenant, si je vois que c'est trop de boulot pour moi et que je ne tiens pas le rythme, tant pis, les Geeks League ne vont pas changer. Mm-hmm. Mais ce sera ce petit format qui va s'intercaler. Et la question encore maintenant, c'est est-ce que je crée un nouveau flux RSS avec ce podcast-là ou est-ce que je l'intègre dans votre flux Geeks League. Ça, moi, je propose qu'on essaye de voir si les gens veulent nous donner un retour. Ouais. Donc, soit via Discord, soit via les commentaires, soit vous envoyer un mail via le site de Geeks League, soit peu importe. Ou alors, c'est dans le flux privé des tipeurs. Non, parce que je veux que ce soit accessible à tout le monde. Voilà. C'était une proposition. Non. Du coup, sinon, il y a 7 qui vont nous écouter. Je fais pas ça pour 7 gars. Ils nous aiment beaucoup, les gars, mais bon... C'est plus à typer. Du coup, je pense que voilà, on fera ça. Donc, dites-nous un peu où vous voulez. Est-ce qu'on l'intègre au flux existant? Et du coup, ça viendra sur votre application podcast sous Geeks League. Sauf que, bien sûr, je ferai une autre vignette. Ce ne sera pas la vignette Geeks League, ce sera la vignette Android. Il y a déjà un logo qui est prévu. Il y a déjà un logo, etc. Mais donc, ça sera visuellement, vous verrez que ce n'est pas un Geeks League, mais que c'est l'entre-deux geeks, quoi. Donc voilà un petit peu. Et entre, je pense qu'un truc de geek ne sera pas numéroté par exemple. Il va être juste avec le sujet et les sujets. Peut-être la date quand même. Ouais, peut-être il y aura la date et puis les sujets qu'on traite dedans ou ce genre de choses qu'on verra bien un petit peu. Mais voilà quoi. Mais écoutez, voilà. Ça sera tout ici. Oui. Dernier point, le Z-Event est à 1 158 000 $. Euros. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le Z-Event. Ce soir. Ce week-end. Maintenant. Donc, en ce moment même. 5 associations pour la planète. N'hésitez pas à faire un tour twitch.tv/TheDevent. Il y a tous les streamers. Encore une fois, c'est l'intérêt de nous écouter en live. Oui. C'est que vous êtes au courant de ça. Que en live. TheDevent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui n'étaient pas au courant que c'était le TheDevent. Allez, on va vous laisser ici avec notre petite jingle de fin. Merci à tous. Rendez-vous dans une semaine si tout va bien, sinon dans 15 jours.
Restez, je vais vous raid chez un youtubeur que j'aime beaucoup. Mais qui fait pas le Z-Event. Mais non, raid dans le Z-Event. Bah oui. Je sais pas moi qui c'est qu'on raid dans Z-Event alors. Z-Event Place. Oui, c'est ça, j'allais dire la place principale. Ah oui, donc mais on va être des une cacahuète dans une marée, ça va même pas se voir. Mais si, non, mais quoi, je raid Zerator, c'est allez, ça. Allez, voilà, raid Zerator. Je sais pas qui c'est ce gars-là, mais. C'est d'ailleurs Méo, c'est juste l'organisateur. Que tu l'invites. Oui, bah, c'est juste l'organisateur du Z-Event. Oui, je sais, je fais exprès. Allez, c'est parti. Rendez-vous dans 15 jours si tout se passe bien. Et surtout, ne lâchez rien. Ciao. Ciao, bisous. Bye bye. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order.